Bonjour, je veux faire un petit résumé de la situation au Chili. Et aujourd'hui, le 8 juin 2020, on se trouve avec plus de 138 000 personnes atteintes de la COVID-19 et plus de 2 200 personnes qui ont décédé. Mais ces chiffres sont faussés par le gouvernement, puisque seulement entre le 3 mars et le 29 avril, et on a déclaré 4 200 et quelques personnes décédées par des problèmes respiratoires, mais ils ne sont pas écrits qu'ils sont décédés par la COVID. De toute manière, la situation au Chili est vraiment difficile. Et aujourd'hui, on se trouve avec des casseroles populaires partout au Chili. Et ces messages s'adressent aux personnes qui peuvent aider pour qu'on puisse, nous aussi, de notre côté, aider d'autres personnes à combler le problème de la faim, finalement. Et c'est notre but aujourd'hui. Et alors, je vous parle de la situation en général, mais aujourd'hui, une des choses importantes, c'est de lutter contre la faim. Et aussi, la police chilienne a tué un Mapuche. Et c'est vrai que avec tout ce qui se passe aux États-Unis, les Mapuches deviennent un peu moins importants pour l'opinion internationale ou pour les nouvelles. Mais ici, c'est un de nos frères qui est succombé encore sous les mains de la police. Alors, c'est ça, c'est un petit message à tout le monde qui veut nous aider à aider.